Salut et bienvenue pour un nouveau rapport de bataille pour le jeu Trône de Fer. Moi c'est Terence alias Tektai. Bonjour, donc moi c'est Edju et je vais vous retrouver du coup pour une partie Trône de Fer en Jean Lannister. Aujourd'hui je vais jouer Stark. Donc du coup je joue au Trône de Fer depuis 2 ans et demi. Je fais partie de l'association des Gobelins du Bocage à Villers-Bocage. Ça fait à peu près oui, 2 ans et demi aussi que je joue à Trône de Fer. Je fais partie de l'association des Gobelins à Villers-Bocage et pareil je joue beaucoup à Taverne des Donjons à la boutique de Vire. C'est une armée auquel je suis un peu habitué car je joue Greyjoy, Lannister et Stark habituellement. Donc là, il y a une petite liste Robb Stark sympa, avec principalement le starter. Alors pour moi, ça va être une toute première. Lannister, je ne joue pas du tout ça. Je n'ai qu'une seule faction actuellement, c'est les Targaryens et un petit peu les Neutres, malheureusement, parce que ça commence un petit peu à s'accumuler. Du coup, c'est totalement nouveau pour moi, c'est pas du tout le même gameplay. Moi, je suis plutôt rentre dedans, et ça va d'ailleurs se voir, j'imagine, dans la partie. Donc c'est parti. Pour avant de vous présenter Stark, nous allons vous présenter les décors. Alors pour commencer, nous avons le muret. Le muret, du coup, qui est fortifié. Fortifié, ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'ennemi le traversera pour pouvoir m'attaquer, l'unité défenseur aura plus 5 défense. Il est aussi destructible, ce qui veut dire que, suivant une action d'attaque, nous pouvons détruire le décor. Ensuite, le baral. Le baral, lui, qui est inspirant. Inspirant, ce qui veut dire que, sur une courte portée, il donne plus 1 au moral. Ensuite, la haie. La haie, qui est destructible, elle aussi. Et qui est difficile. Difficile, ça veut dire qu'à chaque fois que nous allons passer dessus, nous aurons moins 1 de mouvement. La forêt qui est fortifiée, comme le muret, et qui aussi coupe la ligne de vue. Donc couper la ligne de vue, c'est surtout pour les archers. La muraille qui coupe la ligne de vue est destructible. Et qui est infranchissable. Et infranchissable. Infranchissable qui veut dire qu'on ne peut pas passer à travers pour se déplacer. On est obligé de la contourner ou de la détruire avant. La maison est décorative ainsi que ce petit muret-là. Voilà. Du coup, je vais vous présenter le scénario, donc on va jouer sur Game of Thrones, le scénario sûrement le plus classique du jeu. Donc il y aura 5 objectifs répartis. Pour contrôler un objectif, il faut se placer entièrement dessus. Entièrement dessus. Les points de l'objectif peuvent être contestés si une unité nous charge et qu'elle possède plus de rang que nous. Elle ne scorera pas les points, mais elle nous empêchera de scorer. Chaque objectif contrôlé donnera des bonus. Celui-ci pourra donner, quand nous scorons les points, un vulnérable à l'adversaire. Celui-ci pourra donner les dés d'attaque la plus élevée. Donc en Stark, c'est pas très utile, mais c'est de mon côté. Là, ici, ça va donner fracassé. Donc moins 1 à la défense. Celui-ci qui contrôlera cet objectif, ce sera précision. Donc les 6 font des blessures automatiques. Et le dernier, l'objectif 7, ouais. Qui ici, ça va donner cruel. Donc moins 2, cruel, c'est moins 2 au moral. Une fois tapé. L'objectif central ne rapporte pas plus de points, c'est juste 5 objectifs distincts et il faut se battre pour les contrôler. Les points de destruction comptent également, c'est-à-dire que quand nous détruisons une unité, ça nous rapportera 1 point. Étant donné qu'il y a Robb, il y a son loup, Vengri. Donc Vengri qui se déplace à 6 et qui aura une manœuvre gratuite de cavalerie avant son action. Il permet de donner moins 1 pour toucher l'adversaire quand il aura engagé. Et il a fracassé, c'est-à-dire moins 1 à la défense adverse. Ensuite, on aura des épéliges Stark, c'est l'unité de base, à 5 points. Alors, les épéliges Stark, ils ont la capacité d'avoir Critical Blow, c'est-à-dire sur les 6, on fait une double touche. Et ensuite, ils auront des bonus, plus ils ont de rang détruit, plus ils ont des bonus. On verra ça plus tard. Dedans, il y a un champion berserker qui a un ordre qui permet de taper à la plus haute valeur de dés d'attaque. Et également de donner cruel. Donc voilà. Ensuite, il y a une deuxième unité d'épéliche, cette fois-ci sans attachement, donc c'est la même chose qu'avant, mais sans le berserker. Ici, nous avons une unité de berserker sans attachement. L'unité de berserker a la capacité de, taper de plus en plus fort, plus elle subit des dégâts. Elle tape au dernier rang sur 9 dés, le premier, elle tape à 7 dés, par exemple. Ensuite, plus elle subira des dégâts, plus elle défendra fort. On verra ça plus tard. Ensuite, en cours de partie. Ensuite, du coup, nous avons la cavalerie Stark. Alors, les Outriders, les éclaireurs. Alors, eux, ils permettent de... donc, comme le loup, ils se déplacent à 6, et ils ont une manœuvre de cavalerie gratuite avant.
Et ensuite, ils ont un ordre qui fonctionne sur une unité à courte portée ou eux-mêmes, qui permet un shift de 3 pouces. Donc ça rajoute de la mobilité. Et ensuite, ils ont une capacité qui fait que s'ils chargent flanc ou de dos, ils auront des capacités en plus. Ils donneront des tokens, on verra ça en cours de partie. Et là, du coup, nous avons le général, Robb Stark, dans des berserkers. Donc des berserkers comme on a vu précédemment. Et Robb Stark leur ajoute une capacité, plusieurs capacités, c'est de se soigner sur la retraite, et d'avoir plus 1 au mouvement, et en plus, sur les marches, c'est-à-dire les doubles mouvements, où normalement on ne peut pas pivoter, ils pourront pivoter avant. Donc, du coup, ça pourra faire un pivot plus une marche à 14, en concernant les berserkers. Ensuite, nous passons donc au tableau politique. Au tableau politique, nous aurons deux unités non-combattantes, donc en la personne de Catelyn Stark, qui permettra, en plus de prendre une zone, d'influencer une unité alliée, pour retirer un token état sur l'unité actuelle, et en plus de taper à la valeur d'attaque la plus élevée. Et ensuite on a sa fille, Sansa Stark, qui une fois par partie, allons son activation, une fois par partie elle pourra retourner chercher une carte de la défausse, du choix du propriétaire. Et elle a une autre capacité, c'est quand elle prend une zone, n'importe laquelle que ce soit, elle peut remplacer l'effet de la zone par retourner chercher une carte dans sa défausse. Donc voilà, c'est tout pour l'armée Stark, il y a 8 activations totales. Donc Jamie qui est donc dans sa garde Lannister, qui a l'ordre suprématie, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'elle va subir une attaque, après l'attaque, elle va punir l'attaquant par un gros test de morale, ainsi que plus de blessures que d'habitude. Donc Jamie qui lui donne précision, ce qui veut dire que sur un 6, il n'y aura pas de jet de défense, la figurine sera tout de suite tuée. La riposte, qui permet qu'à chaque fois que l'ennemi rate une touche, il fasse reprendre cette touche en retour. Et la déstabilisation qui fait en sorte que l'unité soit plus dure de toucher de plus 1. Ensuite, je suis accompagné de Sandor dans ses hommes de la montagne. Sandor qui donne l'affiliation Maison Clegane, qui aurait pu donner une unité à Lannister pour lui donner cette affiliation, ce qui lui donne des capacités en plus via les cartes. Mais bon, ça on n'en verra pas. Le soif de massacre qui, à chaque fois qu'il tape, permet de se soigner. La charge furieuse qui, quand il charge une unité ennemie, lui donne le token vulnérable. Et les hommes de la montagne, eux, qui ont cruel, donc qui à chaque fois après une attaque font un test de morale plus dur à l'adversaire. Et ils gagnent aussi plus 1 pour toucher et frappe critique, qui frappe critique qui sur un 6 fait une double touche. À chaque fois qu'ils tapent une unité qui a autant de rang qu'eux ou moins. Ensuite, ils peuvent se nourrir de la peur, donc il y a une capacité qu'à chaque fois qu'une unité ennemie foire un test de panique, se soigne de deux blessures. Ensuite, accompagné des archers de Corbeau Tornade, unité neutre, qui eux se renforcent à chaque fois qu'une zone politique est prise de mon côté. J'expliquerai ça quand je prendrai les zones et que je commencerai à taper avec eux. Ensuite, Clegane, pareil, la montagne, accompagné d'Albardiers. Les Albardiers qui, eux, quand sont chargés, pourront taper avant et ont fracassé, ce qui veut dire que l'ennemi aura moins 1 à la défense à chaque fois qu'il s'attaque. La montagne qui donne plus 2 blessures automatiques, donc à chaque fois qu'il tape, il y aura 2 morts obligatoirement. Et la rage incontrôlable qui fait que quand il s'active, je dois faire un test de morale. Si je le loupe, je suis obligé de charger une unité en face, et la charge est automatiquement réussie, c'est une charge de 6. Ensuite, en unité non combattante, on a donc Pycelle. Pycelle qui a 3 pions d'activation, enfin, pas pions d'activation, 3 pions ordre, qui, à chaque fois qu'il s'active, je peux dépenser un de ses pions pour cibler une unité combattante ennemie et la rendre affaiblie. Ensuite, Tyrion. Tyrion qui me donne l'avantage d'avoir une carte de plus dans ma main à chaque tour et d'avoir ma main maximum à 6 au lieu de 5. Une fois par partie, quand un adversaire va jouer une carte tactique, avant de résoudre celle-ci, je peux aller chercher un contre-complot dans la défausse ou dans mon paquet tactique, contre-complot, qui me permet d'annuler sa carte, suivant un GD ou suivant les autres que je contrôle, de l'annuler automatiquement. Et enfin, pour terminer, nous avons Tywin. Tywin qui fait beaucoup d'effets, j'expliquerai ça quand je l'activerai. Donc du coup, c'est à mon tour de commencer. Oui, c'est toi qui commences. Donc avant, nous allons commencer par le tableau politique. Alors j'ai un début de n'importe quel tour. Une carte qui se joue au début de n'importe quel tour, donc du coup je vais la mettre ici pour que tout le monde voit. Alors c'est en anglais, c'est le Nord se souvient. En gros, ça cible une de mes unités sur la table, je l'attache jusqu'à la fin de la partie, et mon unité gagnera
toujours, aura toujours sa valeur de dé à l'attaque la plus élevée. Et quand je contrôle les épées, elle touchera de pour plus 1. Cet effet rentre en compte seulement quand une de mes unités sera morte. Pour l'instant, c'est une unité, c'est une carte qui sert à rien, mais dès qu'une unité à moi mourra, ça rajoutera tout ça, tous ces effets. Donc je vais l'attacher sur... sur Robb Stark. Je vais l'attacher sur Robb Stark. Donc très bien, du coup je vais continuer. Du coup je vais jouer Tyrion sur les chevaux. Les chevaux qui me permettent de faire une manœuvre gratuite. Du coup, la manœuvre gratuite, je vais la faire avec la montagne. Attention. Donc comme je passe sur le muret, j'ai quand même un moins 1. C'est à moi. Et eh ben du coup, je vais prendre. Je vais prendre Sansa Stark sur les enveloppes. J'active du coup Sansa sur les enveloppes. Qui va me permettre du coup les enveloppes de piocher deux cartes. Ce que je fais immédiatement. Et il y a un deuxième effet, c'est mettre un token condition sur un adversaire. Donc je peux mettre un affaibli, un vulnérable ou un paniqué. Je vais donc mettre un affaibli sur les archers Corbeau Tornade. Qui me permettra de relancer les dés d'attaque de l'adversaire. Donc, très bien. Donc je vais continuer mon activation en prenant Tywin et le mettre sur les épées, ce qui me permet de faire une action d'attaque gratuite. Et pour cette action d'attaque, je vais détruire le muret. Et voilà. Ça me fait les décors. Je déteste les décors. C'est à toi. Est-ce que tu peux me rappeler les morales de tes unités, s'il te plaît? Alors, Albardier avec Grégor 6+, les hommes de la montagne 6+, les archers Corbeau Tornade, eux, ont 7+, et l'unité de Jamie a 7+. Écoute, je vais prendre Kathleen, je vais aller sur la couronne pour faire un test de panique à moins 1. Je vais te le faire sur les Albardier Lannister. Très bien. Donc, un test de morale, pour le rappeler, donc c'est, je dois faire 7+, pour le perdre. Et là, du coup... Oui, c'est 7 plus parce que t'as moins 1, sinon voilà. C'est 6. Avec un des 3 pour savoir. Avec un des 3 pour savoir le nombre de blessures, si jamais je le loupe. Et bah ça fait 7 tout pile. C'est tout pile, tu ne prends réussi. Pas de blessures. Sinon j'allais prendre 3 blessures. Paisel que je vais jouer le but. Sur... sur la bourse. La bourse normalement qui me permet de soigner 2-3 blessures et de retirer un pion état. Du coup je vais cibler mes archers pour leur enlever le pion état. Très bien. Et bah du coup je vais commencer à m'activer sur le plateau. Je vais peut-être attendre, je vais juste faire une grosse marche ici avec un pivot. Comme je peux le faire avec Robb Stark. Car c'est normalement on est pas censé faire. Je peux bouger jusqu'à 14 mais je vais pas bouger jusque là. Je vais juste me placer comme ceci. Hop. Peut-être même me pivoter un peu plus et puis passer comme ça. Voilà. Et je vais faire face. Voilà. Et c'est activé. Je place donc un pion activation sur l'unité de Robb Stark. C'est à toi. Donc Robb qui se déplace à 7, c'est bien ça. Donc qui se déplace à 7, du coup, ça fait quand même une charge. Ouais, ça fait beaucoup. Donc j'attends. Du coup, je vais plutôt jouer mes archers. Mes archers. Tornade. Finalement, se déplace à 5, mais je vais faire une marche, mais pas complète. Je pense une marche à 8, c'est très très bien. Est-ce que je reste, reste à 8? Ça dégage des unités. Ouais, ça commence. Non, en fait, je vais la faire complètement. Je vais faire jusqu'à 9. Tu vas empiéter un tout petit peu un sur barrage. Un tout petit peu sur barrage. Je vais mettre mon petit jeton pour dire que c'est activé. Là, je peux marcher jusqu'à 12, mais j'ai moins 1 à cause de la haie qui est juste en face de moi. Je vais faire une bonne marche. Pour l'instant, je vais bouger au lieu de 11, je bouge à 10. Ça me laisse un pouce de marge. Mais comme je reste sur la haie, si je reste comme ça, hop, avec un petit pivot, allez, et un demi-pouce en plus. Et je vais éviter de trop pivoter. Hop, et hop, je m'active et les berserkers sont activés et ils arrivent au milieu de table. Très bien, moi je vais activer donc Jamie. Jamie qui, normalement, pourrait se déplacer à 8 pour la marche, mais ne peut se déplacer qu'à 7 à cause de la haie que je vais enlever d'ailleurs. Là, tu vas être en plein dessus. C'est à moi. On va faire une marche pour arriver au plus proche de la barricade. Hop, j'active du coup mes épéliges. Et je me rapproche de la palissade. Très bien, bah, quant à moi, je vais activer la montagne. Et je vais faire une marche.
Est-ce que je la fais complète? Je pense que je vais... Non, je vais pas la faire complète, je vais la faire juste ici. Et je vais pivoter un petit peu pour la fin. Et voilà. Je vais activer ma cavalerie, qui va faire sa manœuvre gratuite de 6. Il va venir par ici, et qui va refaire une deuxième manœuvre à 6 pour se placer derrière les amis. Je vais juste décaler la haie pour, parce qu'elle est encore présente, pour l'esthétique. Hop. Et voilà, là, l'unité de cavalerie est activée. Je vais activer Sandor. Et pareil, on va faire une marche cette fois-ci. Est-ce que... Non, je ne vais pas la faire complète non plus. Je vais la faire à demi-complète. Hop, 10. Garde, de toute façon, j'ai moins 1 à cause de la haie. Et c'est tout bon pour moi. Ok. Alors, du coup, Sandor, Vredor Clegane qui bouge à 5 pour échanger jusque-là. Je vais totalement bouger mes épéliges avec les arcs ombres. Ici. Hop. Ici. Et c'est activé. Et je crois que tu n'as plus rien activé. Je vais pouvoir terminer l'activation de mon loup. Le loup qui va faire sa petite manœuvre de 6 gratuite. Hop. Alors je pourrais traverser ma propre unité, parce qu'on peut traverser les unités amies. Il ne faut juste pas finir le mouvement sur eux. Mais je ne vais pas le faire, parce que ce serait dangereux. Je vais mettre Vendry pour l'instant ici, en attente. Et il est activé, et cela sonne la fin du round. Ok, donc je suis premier joueur sur ce deuxième round. J'ai décidé de garder les cartes que j'ai en main et de ne pas refaire ma main. Et moi aussi, je vais garder mes cartes. Hein. D'accord. Donc, est-ce que tu as un début de tour? Je n'ai pas de début de tour. Ok, très bien. Et ben moi, pour démarrer, je vais prendre Sansa sur les épées et je vais casser la palissade. Désolé pour le décor, mais la palissade, je peux pas la franchir. Donc voilà, plus de palissade. Très bien, pour l'instant. Je vais juste vérifier. Tes berserkers se déplacent à combien? Mes berserkers se déplacent à 6. À 6, donc ça ferait une charge à 3. Quand même, je vais activer palissade. Avant de le placer, je vais dépenser un pion pour mettre un affaibli sur, les berserkers. Sur tes berserkers. Ok. Et je vais prendre les chevaux pour faire une manœuvre. La manœuvre va être juste de reculer de 2 pouces sur mes archers. Cela s'appelle la feinte. Non, bah, début de n'importe quel tour, je vais jouer une carte. Ouais. Une carte qui s'appelle Repositionnement éclair, qui va me permettre au début de n'importe quel tour de faire un shift de 2. Et si j'aurais contrôlé les poneys, c'est-à-dire la cavalerie, j'aurais pu faire une manœuvre de 3 pouces. Ce n'est pas le cas. Que tu veux utiliser sur... Que je vais utiliser sur le berserker omble. Très bien. Enfin, le champion berserker et ses épéliges. Je vais prendre les enveloppes avec Kathleen. Ouais. Je vais piocher 2 cartes. Avec Kathleen, je vais influencer les berserkers au milieu pour retirer le pion affaibli. Et je vais placer un pion affaibli. Je vais placer un pion affaibli sur la montagne. La montagne, très bien. Du coup, bah, pour mon activation, sans surprise, je vais utiliser Tyrion sur la bourse pour pouvoir retirer ce pion. Eh oui. Je vais donc tenter une charge avec mes épéliges et mon berserker omble. C'est une charge à 4. On avait regardé tout à l'heure. Donc je vais jeter un dé. Il faut que je fasse 4 ou plus. 5. C'est bon, ça charge. Quand on charge, du coup, hop, on peut se placer à 100 ou à 50%. Peu importe le côté. Peu importe le côté. J'ai pas peur d'une charge. Mais je vais quand même. Je vais quand même me mettre à 50 par là, je pense. Car. Normalement, tu as la place, oui, avec tes berserkers. Mais dans le doute, écoute, je vais me placer de ce sens-là pour que, avec tes archers, tu mets de face et
Ouais, oh, de face. Juste. Ah, je suis pas sûr, tu vois. Je sais pas si tu me vois avec tes. Non, avec Sandor, je ne vois pas. Tu ne vois pas, donc. Oui, non, non. Tu ne vois pas. Donc c'est bon, je vais rester comme ça. Et donc, du coup, nous allons pouvoir passer à la suite après avoir chargé. Cependant, c'est ce que j'attendais. Comme ce sont mes Albardiers Lannister, ils ont l'ordre de recevoir la charge. Oui. Donc recevoir la charge, comme il vient de me charger, avant qu'il fasse son attaque, c'est à moi d'attaquer en premier. Tout à fait. Alors du coup, je vais prendre 7 dés, vu que j'ai tous mes rangs, et c'est sur du 4+. Mais comme j'ai la montagne, il y aura 2 blessures automatiques. Donc il y a déjà 2 morts. Exactement. Et tu as 7 dés 4+, sans relance. 5, 6 et 1, 7, pas de relance. Pas d'affaiblis non plus. Sur du 4+, ce qui ça en fait 3. Fait 3 au total. 3, j'ai à sauvegarder. Tac. Donc 3, j'ai à sauvegarder, tu as fracassé. J'ai une défense de 4+, ça me fait une défense de 5. C'est bien ça. J'en sauvegarde 2, je ne prends qu'une blessure. Donc j'ai un test de panique. Alors le test de panique, c'est du 6. C'est du 6, et comme je suis à portée du barrage, ça va être du 5+. Donc du coup, un test de panique à 5+, qui réussit. Double 5. C'est très bien. Okay. Et donc du coup, je vais activer mon ordre sur mon berserker, qui va me permettre de taper la plus haute valeur de l'attaque, donc ça va pas changer grand chose. J'avoue que j'aurais bien aimé que tu me pètes un rang pour que j'ai plus de bonus. Je t'avoue que ça m'arrange de ne pas avoir pété le rang justement. Donc du coup, je vais avoir du coup 7 dés relançables, frappe critique sur du 4+. Mmh. Et du coup, j'ai cruel. Frappe critique et cruel en boucle. Beaucoup de 6. Beaucoup de 6. Hop. On va sauvegarder tout ça. Et on va relancer les dés de ce côté-là. Ça fait, en tout, ça fait 6 touches plus 3, parce qu'il y a frappe critique, donc ça double les 6. Donc ça fait 9 touches. 9 touches, pas de fracassé. Pas de fracassé. Donc à 4 plus. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça fait un bon jeu de dés aussi. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 morts. Je n'ai pas à courte portée du moral. Non, je ne suis pas à courte portée. Juste. Donc normalement j'ai un moral à 6, grâce au cruel je suis à moral à 8. Et 9 du coup. Tu t'es pas apporté du barrel là. Non, à 8, oui, oui, à 8, oui. Excuse-moi. C'est quoi ? À 8. À 8. C'est, ouais, c'est bien, ça fait, donc, 3, ça morts fait 3 morts de plus. Ça fait un total de 7. 7 au total. Jusqu'à celui-là. Je vais utiliser Tywin et je vais le mettre sur la couronne, te faire faire un test de panique sur tes épées liges avec ton champion à moins 1. Plus 1 qui est compensé grâce donc, au barrel. Oui, donc c'est un test à 6. Un test à 6 du coup. Qui a réussi. Très bien. Tout juste. C'est à moi. Ça m'arrange presque. Donc je vais activer mon loup. Quand j'active mon loup, du coup, je vais bouger ma manœuvre gratuite de 6. Hop. Et là, c'est une charge auto. Et je vais charger la montagne, du coup. Vas-y, charge la montagne. Donc sur un 1, je ne pourrais pas jouer de carte tactique. Et j'aurai pas la relance. C'est un 3. Tout va bien. Hop, je charge. Hop. Avec Vendry, je vais avoir seulement 4 dés. Relançable sur 3+. Par contre, j'ai Thundering. Ok. Relançable. Il y en a 2 qui passent pour l'instant. Ça fait full. Les 4 passent. Donc les 4. 4 à moins 1. 4 à moins 1, ce qui fait une défense à 5 du coup. C'est joli. Ça fait 2 blessures et 2 sauvegardées. Et un test de morale classique. Qu'est-ce qu'il a cruel là ? Non, il n'a pas cruel. As-tu une carte à jouer ? Non, pas actuellement. Donc je rappelle, sachant que je suis toujours pas à courte portée du barral, ça reste à 6+. Donc ça tape 3. C'est largement réussi. Ouais, largement. Hop, donc il te reste 3 bonhommes. Hop, 3 bonhommes. Et du coup, je vais jouer une carte. Ouais. Hit and Run, harcèlement en français. Donc il permet, après avoir complété une attaque de mêlée, de faire une action de retraite. Donc une action de retraite, c'est le mouvement plus 1 des 6. Et si ça ciblait Robb Stark, l'ennemi devenait affaibli. Mais ce n'est pas le cas. Cependant, je joue mon contre-complot. D'accord. Et comme tu contrôles la bourse et la couronne. La carte est totalement réussie, sinon totalement j'aurais dû lancer un dé, et sur un 3+, je réussissais. Comme je contrôle la bourse,
ou la couronne, ça aurait été sur un 2+, mais comme je contrôle les deux, c'est donc, réussi aussi. Mon loup va rester là où il est. Avec mes Outriders, je vais faire mon ordre, qui me permet de shifter de 3 une unité alliée à courte portée. Je vais shifter de 3. Le repositionnement tactique. Le repositionnement tactique. Et j'arrive un peu sur le barrel. Voilà, comme ça. On retirera en 4 charges. Charge à 2. Du coup, sachant que ce sont des berserkers ombles actuellement, ils tapent quand même à leur plus haute valeur de dé d'attaque parce qu'il y a 4 lignes dessus. Je vais rester sur mon premier choix et je vais activer Grégor et je vais taper le loup. Alors, donc, vu que je n'ai plus qu'un seul rang, je suis à 4 dés. Ouais, tu me fais deux blessures de base, blessures. Donc je mets 2 blessures sur le loup et tu touches à 5 plus par contre. Ah, il a disrupt. Il a disrupt. Sur du 5, ça fait 3 touches. Ça fait 3 touches, c'est moche. Et fracassé. Et fracassé. Donc, 3 sauvegardes à 5. J'espère faire un aussi beau jeu de dé que toi. Ah, presque. C'est bon. On y était presque. Et le loup est mort. Ah, j'espérais que l'un, comme dans l'autre, il survive. Mais ce n'est pas le cas. Tu gagnes un point de victoire. Comme le loup n'est pas insignifiant, je gagne. Je vais activer, du coup, mes épéliges qui sont ici. Et elles vont faire une manœuvre de 5. Pour se rapprocher de Grégor. Maintenant, je vais activer mes archers et je vais taper sur tes berserkers. Ouais. Néanmoins, je contrôle la bourre, donc certes, j'ai plus 1 à la défense et au moral, mais sur une attaque, je gagne fracassé. Donc 7 dés sur du 4+. Non relançable, car je ne contrôle pas les épées. Alors sur du 4+, ça fait 4 touches. Donc 4 à 5. Ça fait une sauvegarde. Je prends 3 morts, j'ai un test de panique classique. Plus 1 parce que je suis à côté du barral, donc j'ai 5 de base, là je vais passer à 4. C'est largement réussi, double 6. Pour beaucoup de 6 CD, j'aime bien. Et là normalement je vais prendre la foudre. Charge sur Sandor. Charge sur Sandor et c'est une charge à 2+. Donc une charge à 2+, des berserkers sur Sandor Clegane. C'est une charge où il avait envie de charger. Alors du coup on va devoir retirer le barrel entièrement, là, par contre, parce que je vais être les 3 quarts dessus. Oui, c'est bon, tu n'interviens pas sur mes archers. Donc je vais avoir 9 dés. Je suis sur ma charge, je vais jouer cette carte-là. Donc les ennemis chargés avec succès deviennent paniqués vulnérables. Paniqués vulnérables. Voilà. Donc c'est un pacte dévastateur. Ah oui, c'est que tu contrôles. Temps de latence. Okay. Et donc du coup, avant de taper, je vais jouer Force de l'hiver, qui va me permettre de taper avec le bloc de valeur de l'attaque parce que j'ai les épées, mais c'est déjà le cas. Donc je vais gagner fracassé, Thundering en anglais. Et si j'avais un seul rang, j'aurais pu avoir d'autres bonus, mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, je vais taper avec fracassé. Fracassé, ok. Est-ce que tu... Non, c'est bon. Tu tapes sur du combien déjà? 3+. 3+. 3+, fracassé, ce qui ferait 5. 5 à vulnérable. Non, j'ai 9 dés. 9 dés, ah oui, c'est vrai. Mais sur du 5+, la défense. Allez, je suis joueur, vas-y, je prends. C'est déjà bien. J'aurai 2 relances. Hop, le reste, c'est les réussites. Je fais mes relances. Ça fait pas tout, il n'aura que 8. 3 sur 8, 5 sur 8. Ça en fait 2. 2 sauvegardés que je vais te faire relancer avec le vulnérable. Ouais, donc ça en fait déjà 4. 6 morts. 6 morts. Ça fait 8 morts. Jusque-là. Test de morale. Bonus de plus 1 vu que je suis à côté du barrel, ce qui fait du 5. Du 5. C'est réussi. C'est réussi. Bah écoute, je vais répondre par Sandor. J'ai tapé aussi. Vu qu'il ne me reste plus que mon dernier rang, je suis sur du 4. Néanmoins, j'ai cruel. Je n'ai pas plus 1 pour toucher ni ma frappe critique. Oui. C'est non relançable. Donc 4 dés sur du 4+. Ça là, fait cool. Je veux vous. C'est pas mal. Ça fait 4. C'est pas mal. Je défends toujours sur du 5. Pas de rang détruit. Bon, c'est pas mal aussi. C'est bien aussi. C'est bien bon, aussi. Ça fait 2. Du coup, test de panique avec cruel. Donc moins 2. Moins 2 plus 5, c'est un test à 6. Normalement, je vais utiliser un jurugi. Jurugi, donc. Jurugi qui va donc infliger encore un malus de moins 1 de base et moins 1 à nouveau car tu as un rang de détruit. Ça me fait un test à 8. Et si j'ai plus une blessure. Si tu échoues, tu as plus une blessure. D'accord. Bon, voilà, ça fait un test à 8 plus une blessure. Ah d'ailleurs par contre j'ai un rang détruit donc j'ai plus 1 encore, parce que j'ai plus 1 par rang détruit, donc ça fait un test à 7. 7 plus une blessure, bon, ça se loupe, mais ça se loupe pas. Néanmoins, vu que je t'ai détruit un rang, je vais déjà me soigner de 1 grâce à Sandor. Bah une blessure, plus le rang détruit, un deuxième. Et le Prayon Fear, non c'est quand tu foires un test de panique.
Je vais temporiser pour l'instant, je vais activer ma cavalerie, qui va faire sa manœuvre gratuite, normalement à 5, 6, mais là comme il y a le buisson, je vais la faire de 5. Donc ils vont aller partir, ils vont sortir comme ça, et là, ils vont faire une marche, histoire juste de se poser sur l'objectif. Alors ce qui est bien, c'est qu'actuellement, il ne peut pas me charger, vu qu'il y a ces berserkers qui le gênent. Bah, vu que j'avais moins d'activation que lui au départ de la partie, je vais utiliser un pass token, ce qui me permet en gros de m'activer dans le vent, et de laisser passer mon tour. À toi. Yes. Ah, je peux pas avancer beaucoup plus, donc en fait, je vais juste me mettre comme ça. Et je vais remettre la forêt, parce que de toute façon, on voit pas trop dessus. Ah, en fait, le Nord se souvient, c'est activé car tu as tué mon loup. Donc oui. Maintenant, Robb Stark touche sur plus 1 si j'ai les épées, et puis il a toujours sa dé d'attaque la plus élevée. Moi, je vais activer Jimmy, et je vais charger sur le côté de tête Berserker. Alors, je me déplace à... De 4, moins 1, donc 3. Ouais. Alors, faut que tu fasses le pivot avant pour me jouer, pour être dans le bon axe. Et là, ça va être une charge pas trop longue. Charge pas trop longue, mais... Oh, charge à 2. Change à 2. Allez, foirade. Allez, foirade. Alors, je sens le 1. J'ai un avis. C'est un 4. T'as rien dit, t'as rien dit. Du coup, je ne peux pas me mettre à 100%, car sinon, je serai obligé de me mettre sur mon unité. Je suis obligé, du coup, de me mettre à 50. Et alors, du coup, je passe dans la forêt. Tu auras plus 1 de sauvegarde. Donc, comme c'est l'unité de Jenny, je vais jouer la prouesse du régicide. Ce qui me permet de relancer les dés d'attaque et d'ajouter vulnérable, vu que c'est l'unité de Jenny. J'ai vulnérable et t'as la relance, bon tu l'avais déjà, mais c'est j'avais déjà la relance. C'est surtout pour le vulnérable. C'est surtout pour le vulnérable, exactement. Donc c'est parti. 6D 4+, c'est bien ça. 4+, relançable. C'est beau, hein. Ouais. Des bon, sacrés... Les dés ils font des sacrés jets. C'est vrai que ça change. Ça fait un full. 6. Donc j'ai plus 5 de défense en plus de là, donc j'annule ton flanc parce qu'il y a la forêt, j'ai plus 5 de défense encore parce que j'en ai rendu pris. Donc j'étais à 5, je suis à 4. Ça fait 3 réussites, je suppose que tu me fais peut-être relancer. Oui, je vais utiliser le vulnérable pour te faire relancer toutes tes réussites. Ça m'en fait une de plus. C'est suffisant. 4 morts. Et du coup, j'ai un test de panique là, à plus 3, moins 1. On fait un test à 2 qui passe à 3. C'est bien ça. Grâce à la capacité des berserkers. C'est bon, c'est sauvegardé. Je t'enlève le vulnérable. Et maintenant, je défends à 3 sur eux aussi. Plus rien à activer, c'est la fin du round. C'est la fin du round. Donc, début du troisième round, donc moi, je serai coup, le premier joueur. Ouais. J'ai repioché 3 cartes. Moi, j'ai repioché 2 cartes, parce que j'en ai gardé une et j'en ai remis une dans ma défausse. Je me suis débarrassé de position supérieure. Avant de commencer, j'ai un début de n'importe quel tour. Et moi, après ça, je n'aurai pas grand-chose. Donc, début de n'importe quel tour que je vais jouer maintenant, je vais l'activer sur Jamie. Donc, un Lannister paie toujours ses dettes. Donc, comme le Nord se souvient, elle reste attachée jusqu'à la fin de la partie et je mettrai un pion dès qu'une de mes unités sera morte. Quand elle sera activée, mes attaques de mêlée vont gagner cruel, donc infliger moins 2 au test de panique adverse, et si je contrôle la couronne, j'aurai plus 1 pour toucher. Donc au lieu de 4+, je serai sur du 3+. Bah, je pense qu'on va partir là-dessus directement, oui, sans surprise. Sans trop de surprise. Néanmoins, je vais quand même activer Pycelle. Avant qu'il prenne une zone, je vais dépenser un pion pour affaibli. Mettre un affaibli. Ouais. Affaibli sur tes... C'est sur les épéliges. Et je vais rester sur mon premier plan, Pycelle, sur les épées. Ouais, ok. Pycelle sur les épées, donc sur... je vais rester sur les zones de la montagne. Comme de toute façon j'ai plus de rang que toi, je gagne plus 1 pour toucher et frappe critique. Ouais. Donc 5D3+, frappe critique. Non relançable, néanmoins. Exactement. Ah ouais, voilà, ça en fait quand 3 même plus, 3. Ça en fait 3. Ça peut suffire, mais je suis en défense 3+. Du coup, défense 3+, quand même. Ouais, défense 3+, actuellement, ouais. Et j'en prends une quand même. Un mort, c'est déjà ça. Ce qui m'arrange pas. Test cruel. Test cruel, hein. Ouais, cruel, donc j'ai... Moins 2, plus 5 grâce au baral. Et plus 2. Parce que, plus 2 grâce à tes berserk. Donc en fait, plus 2, moins 2, ça reste à 5, je suis à 4. Ouais. Non. Presque. C'était pas le moment. Néanmoins, j'ai réussi à lui faire une blessure, du coup, grâce à Krégor. Je me sauve de 1. Et vu qu'il y a 2 rangs détruits, je me soigne de 2 supplémentaires. Tac. Je vais prendre Kathleen Stark. Ouais. Sur la bourse. Logique. Je vais soigner de 3.
le berserker. Et hop, je n'ai pas de token à retirer sur eux. Par contre, avec Kathleen, du coup, je vais influencer eux, là, juste pour retirer le token. Non, je vais quand même activer Tyrion. Je vais prendre l'enveloppe. Ouais. Donc, je vais piocher deux et je vais remettre l'affaibli. C'est logique. Ah, non, j'ai rien joué. Ouais, personne n'a été tapé, ouais. Excuse-moi, père. Personne n'a rien joué. J'ai oublié, hop, de laver ma partie. Oui, je pense que j'ai cramé tout de suite mon Joker. Début de quel tour, c'est parti. Allez, Joker de Tywin. Ok. Je vais cibler. Donc une fois par game. Une unité combattante ou plusieurs, mais je vais en cibler qu'une. Je vais cibler tes berserkers. Ouais. Ils vont devenir paniqués, vulnérables. Ouais. Ils vont subir 4 touches, ils vont faire un test de panique et ils n'auront plus de capacité jusqu'à la fin du round. Ok. Donc du coup, je vais défendre sur du 5. Je n'ai plus de capacité. Ouais. Je tiens, mais que je suis vulnérable. J'en prends 4. Il me reste un bonhomme et je suis paniqué. Je fais un test de panique à plus 1, donc à 6, 5, 4, à 4 en fait. Ouais. Un test à 4, paniqué. Oh, pas besoin de paniquer. Le premier test coupé. Et les berserkers vont dépoper. Comme les berserkers sont morts, je vais gagner un point de victoire. De victoire. Donc j'active Sansa, je l'utilise une fois par partie pour aller rechercher une carte dans ma défense. Sansa. Avec Sansa, du coup, quand j'active, je vais prendre la couronne et je vais faire un test à moins 1 sur Veilleur Clegane qui aura du coup un test à 7 à faire. Test à 7 sur Clegane ? Ouais, sur Grégor. Alors bon, bah déjà c'est foiré, mais bon, au cas où c'était un petit 1. Mais je vais taper avec Grégor. Alors avant de taper avec Grégor, je vais me réaligner à 100. Et du coup, malgré tout, je suis quand même qu'à un seul rang, donc 4D, 4 plus, mais les deux blessures de Grégor. Qui va me faire maintenant taper à plus 1. Mon relançable 4 plus. Ça fait 3. 3 à 4, 5 parce que t'es fracassé. Ça fait 2 plus. C'est très bien. Et un test de panique à 5. Plus 1. Qui réussit. Donc hop, je prends 2 morts en plus. Je vais donc activer mes épéliges. Ouais. Je vais me repositionner à 50. Grâce à Kathleen, je tape toujours à ma valeur de dés la plus haute. Donc je vais taper à 7 dés. Et comme j'ai un rendement, je vais taper à 2+. Et frappe critique toujours. Et je suis affaibli. Et je vais quand même jouer l'ordre insight de mon berserker. Ouais. Je vais jouer l'ordre pour avoir cruel. Alors, il n'y a pas de relance. Mais pour l'instant, j'ai 5 touches. Sur du 2+. Oui. Bah, tu le 3, non, 3, t'as raison, c'est du 3. Oui. Je confondais. C'est du 3. Est-ce que je relance les 3? Oui, oui, quand même. On prend pas de risque. Excuse-moi. Hop, ça fait que 2. Ça peut être suffisant. Ça peut être suffisant, survivre. Pas de fracasser? Non, pas de fracasser. Donc sur du 4 plus, 1 plus. Ça fait 1 mort. Ça fait 1 mort. Test de panique. Donc le test à 7. 7. Et bah voilà. Enfin, je score un point avec du coup, le départ de Grégor. Grégor meurt, ce qui active un Lannister P, toujours ses dettes. Donc maintenant, j'aurai cruel. Et à chaque fois que j'ai la couronne, plus 1 pour toucher. Je pense que oui, avec le pivot. Donc je vais juste faire ma surchance comme ça. Je contrôle. Je ne touche pas, donc je reste à courte portée de ma cavalerie pour l'instant. Je les vois. Et je peux. Je vais activer Jamie. Ouais. Et je vais charger ta cavalerie. Yes. Donc charge automatique. Donc pour la beauté du sport, on va lancer mes. Au cas où, pour la. Oui, ah, pour si jamais je fais un 1. Mais bon, ce n'est pas le cas. J'ai plus 1 de défense, donc plus 1 moins 1. Et je vais m'aligner à 50 sur le côté. Avec un peu de chance, non, tu me vois toujours. Oh, c'est quoi que. Ah, ça, c'est peut-être limite. Je pense que je te vois, moi. Je te vois le bout du socle. Je vais activer la prouesse du régicide pour te mettre invulnérable, taper au plus haut. Et relance, que je l'avais déjà. Alors, je ne contrôle pas la couronne, donc je n'ai pas le plus 1 pour toucher. Je gagne 6 des 4 plus. Ah, précision, un mort déjà. Un mort, c'est vrai que ta précision. Donc, j'ai un petit 4. Sur du 4 plus, donc heureusement que c'est relançable.
Bah, ça fait 3 touches en plus. 3 touches en plus du mort. Ouais. Ça, dans la stage, hein. Ça fait tout. Je défendrai à 4, c'est dommage. Ouais, c'est, ça fait ça m'arrange. 1 PV, parce que chaque cavalier a 3 PV, donc du coup, ça ne fait qu'un mort. Et du coup, test de panique à moins 3. Alors, moins 1 parce que je suis sur le côté, moins 2 parce que j'ai cruel. Mais il y a le baral à plus 1, donc test à moins 2. Test à moins 2, donc du coup à 8. Qui est loupé? Je prends un PV de plus. Écoute, je vais pas me priver, je pense que je vais charger dans ton dos. Hein. Oui, bah j'imagine bien. Hein. Donc là, c'est une charge auto. Oui, bah, oui, de toute façon. Largement. Bon, j'aurai quand même le plus 1. T'auras le plus 1. Hop, c'est bon, ça charge. Alors, t'as le plus 1. Ah, non, c'est une. Quand je charge, je joue, excuse-moi, j'ai oublié. Impact dévastateur pour que tu viennes paniquer vulnérable. Sauf si j'active la capacité de Tyrion. Oui. Capacité de Tyrion qui me permet d'aller chercher un contre-complot dans le deck ou la défausse. Je vais prendre celui de la défausse. Ouais. Contre-complot qui, malheureusement, je ne contrôle aucune des zones. Du coup, ça va être sur un 3+. 3+, bon. Tout pile. Ok. Annulation de la carte. Vulnérable, affaibli. Par contre, du coup, je vais jouer quand je tape. Au début, avant de taper, je vais jouer Férocité Nordienne. On ne l'a pas encore vu. Mm-hmm. Ça va me donner Cruel. Et c'est à peu près tout ce que ça va me donner, parce qu'après les bonus, je ne les ai pas. Sur un rang, j'avais plus de bonus, et tu avais plus de morts à la panique si je contrôlais les effets. Ouais. Alors n'oublie pas que j'ai des Disrupt. Oui, t'as Disrupt. Moins 1 pour toucher. Non, je touche sur du 4+. Relançable. Ça fait un beau lancer, pour l'instant ça fait moitié. Non, plus de la moitié, ça fait 5. J'en ai 4 à relancer. Non, celui-là il passe pas. C'est 4+. C'était un problème. Donc j'en ai bien 3, et il y en a qu'une qui passe pas. Que tu vas te prendre vu que ouais. J'ai la riposte. Donc ça fait 8. Donc moi je vais défendre à 5. Je prends un mort. Et donc du coup tu dois défendre sur 8. A moins 2 à la défense. Moins 1 du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 1 parce que 7, tu as plus 5 parce que j'ai traversé la forêt. 8, donc ce qui me fait une défense à bah, 4. Et ben c'est moche. C'est très moche. Ça fait 2, ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 6 morts. 6, c'est test de panique à moins 4 plus 1 parce que t'as le barré. Je vais jouer la réputation du régicide. Tu vas te soigner de 2. Bon, c'est après le lancer de dés, je vais quand même le faire. Okay. Oui, voilà. Ça loupé, t'as avec un mort. Mais... Donc réputation du régicide, ce qui fait que comme sa cible Jamie ou une unité à courte portée, mais on suit que c'est Jamie, le test est réussi. Et comme c'est l'unité de Jamie, je me soigne de 2 blessures. Yes. Ce qui fait que du coup que je ne perds qu'un rang. Du coup j'ai un or à jouer. Oui, avant ton ordre j'ai déjà une carte à jouer. Ouais. Une carte qui s'appelle harcèlement. Donc du coup, celle que je devais jouer tout à l'heure, après t'avoir tapé, je vais réaliser une retraite. D'accord. Et comme c'est l'unité de Rob Stark, tu deviens affaibli. D'accord. Donc une retraite c'est un des. Affaibli, il est là. C'est un des 6 plus le mouvement. Donc là ce sera une retraite à 7 plus 6, donc beaucoup. Et c'est en ligne droite. Moi, je vais aller justement en ligne droite me remettre pour l'instant juste sur l'objectif, comme ça. J'ai un début de tour ennemi, excuse-moi. Vas-y. Je vais utiliser l'ordre des cavaleries, des cavaleries de flanque là, pour faire un shift 3 ici et pouvoir prendre l'objectif. Je vais prendre Tywin et je vais utiliser les chevaux pour sur mes archers pour les. Faire reculer un petit peu. Ok. Pas la totalité, mais au moins juste assez pour te voir. Je te vois. Je vais quand même me tourner un tout petit peu. Bon, bah, je vais faire une retraite avec ma cavalerie. Faire une retraite. Hop, ça fait 8. On est bien. Je vais retraiter. Alors, jusqu'à 8, ça me fait. Je peux aller jusqu'ici. Je vais juste rester pile sur l'objet. Et faire un pivot ensuite. Très bien, bah moi je vais en profiter pour attaquer. Ça dépend combien ont de défense tes épéliges. 4. 4. Sachant que. Ouais bah non, avec mes archers, je vais donc attaquer tes épéliges. Oui. Alors, comme je ne contrôle pas la bourse, donc je n'aurai pas fracassé. Néanmoins, je contrôle la couronne. Donc avant de faire mes lancers de dés, tu deviens vulnérable. C'est les enveloppes. C'est les enveloppes, t'as dit la couronne, je crois. Ah, pardon, bah oui, c'est les enveloppes. Et du coup, je contrôle aussi les épées, ce qui voudrait dire que je peux relancer mon jet de dés. Ce qui fait 7 dés à 4+, relançable. Ouais, ça peut faire mal. 5, 7. Ça peut m'empêcher de scorer un point. Et
bah, oui, 4 plus, pour le moment, ça fait 3 relançables, heureusement. Je fais le stop. Mon stop pour mes 5. Ça fait 5 au total. C'est dans le stop, t'inquiète. 5, donc 3 cassés, tu m'as dit ? 3 cassés. Donc à 5. Je te fais relancer, bien sûr, tes réussites. Oui, évidemment, t'as plus de réussite qu'il fallait. Ouais, je meurs. C'est suffisant. C'est moche. C'est là que j'aurais dû jouer de Rejoy, qui ça ne meurt pas. Hein. D'ailleurs, je pourrais remettre le barrage. Du coup, destruction des épées, je gagne un point. Et moi, je vais réfléchir, car j'hésite hein, entre soit prendre l'objet, soit tenter une charge. Mais je pense que la charge, ça va être un petit peu beaucoup, car... Je crois que c'est... Bah, quand tu fais le pivot, il y aura peut-être 5, du coup. Ouais. Attends, 5... 1, 2, 3, ça fait charge à 4, sachant que j'ai le moins 1 de la haie. Ça fait charge à 5. Puis t'as le pivot qui n'est pas encore fait, donc on sait pas. Le pivot n'est pas encore fait, mais 5, ça me paraît beaucoup. Sachant qu'après tu vas jouer premier, je vais quand même du coup pivoter. Tu vas tenter la charge. Sachant que là, en soi, je le quitterai, mais... Et c'est une charge à... À 5, 1, 2, 3, 4... 6. 6 plus, ouais, non, j'ai pas évité. Pas pour le sport, je vais du coup faire ma... Petite manœuvre de 4. De 4, du coup, il faudra rebouger le barral, s'il te plaît. Vas-y. Tac. On n'aura pas le place de le caler. Et je vais le laisser ici. Peut-être comme ça, là, pour la déco. Fin du round, alors du coup, je score 2 points, 3 points, et tu scores aucun point. Toujours. Donc ça fait un score de 6 à 3. Parti, alors du coup, je suis premier joueur pour ce round de 4. Donc moi, j'ai pioché 2 cartes. Hein. Ouais. Très bien. Je vais utiliser Sansa sur les chevaux. Ok. Faire une manœuvre. Hop, je vais faire un pivot. Je vais faire une manœuvre de 6 par ici. Donc. Hop. J'ai un début de n'importe quel tour à jouer. Vas-y. Je vais jouer un Or se souvient. Oui. Logique. J'ai activé Paisel. Oui. Je vais activer. Enfin, je vais retirer son dernier pion pour infliger un affaibli sur Rob. Et je vais prendre. La bourse. La bourse que je vais soigner Jamie. Et retirer le pion. Hop, Jamie, c'est les gardes. Tac, tac, tac. C'est à toi. Je vais jouer un repositionnement éclair. Ouais. Comme j'ai les chevaux. Maintenant. Alors, comme j'ai les chevaux, cette fois-ci, au lieu de faire un shift de pouce, de 2 pouces, j'ai une manœuvre, comme j'ai les chevaux, de 3 pouces à la place. Donc, je pourrais faire un pivot et un mouvement de 3 pouces. Et du coup, avec Kathleen, je vais hop, venir. Hop, hop. Oui. Quand une UNC ennemie est activée, elle perd ses capacités. Intrigue et faux semblant. Tu perds tes capacités. Comme je contrôle la bourre, je vais cibler une unité combattante et ennemie et je vais l'affaiblir. Ouais. Et je vais affaiblir la cavalerie. Très bien. Ouais, oui. Et du coup, je vais piocher 2 cartes. Un affaibli sur les archers. Un affaibli sur les archers. Et ben, sans surprise, j'imagine. Oui, là. Voilà. Tywin sur les épées. Tyrion. Tyrion, pardon. Il a pris du galon. Ah oh, oui, il faut bien, attends. C'est quand même lui qui l'a tué. Et je vais avec mes archers. Spoiler. Ah, pardon. Archers sur les. Ouais, sur la cavalerie, sachant que là, je te vois de côté. Alors, je contrôle la bourse, donc je gagne fracassé, et je contrôle les épées, donc je pourrais relancer. Ok. Sur du 4, heureusement que c'est relançable. Ça en fait 3 pour l'instant. Ça en fait 6 que tu vas relancer. J'imagine, oui. Avec ta faible. Oups, le 6 est sorti. Ça fait pas terrible, il y en a un, et là pour l'instant, t'en as 2. Ça fait 3. Donc 3 à fracasser et t'as le flanc, donc c'est à moins 2, donc c'est à 6. Je retire mon affaibli. Oh bah j'ai fait un 6 quand même. Ça fait combien de morts actuellement? Ça fait un cheval plus une blessure ici. Je préfère te faire relancer maintenant. Je peux sortir de ta zone. Oui, je viens juste de penser à ça. Ok, cassé. Ça fait une blessure de plus. Ça me va. Un petit cœur. Et test de panique à moins 1. Bon, tant pis, mais c'est bon. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je... De toute façon, la Nine Mirror, ça suffisait pas, je te rassure. Et ben, on va jouer la survie. Ouais, j'imagine. Je les active. Ouais. Je vais faire ma manœuvre gratuite.
Hop. Et je vais faire la deuxième action pour pas aller très loin. Je vais juste me mettre là. À 3 ici. Et normalement, même avec un chiffre de 2, voilà, c'est impossible. Je vais activer Tailwind. Et oui. Sur le dernier risque pour ma cavalerie. Ouais, sur la couronne que je vais remplacer. Ok. Par un pot de vin. Ah. Bribery sur Rob. Ok. Alors, bribery, pour expliquer quand même. Alors, vous savez, en gros, je remplace une cible. Et il ne peut l'enlever cette carte que s'il réussit un test de morale ou qu'il l'enlève grâce à la bourse. Tant qu'elle est attachée, les attaques de cette unité tapent de la valeur de dé la plus basse qui est de 6, si je dis pas de bêtises. Là, sur eux, ça va être même 7. 7. Et ils auront moins 1 au moral. Ouais. Ce qui me va très très bien, honnêtement, parce que ils font mal, mine de rien. Mes épéliges, ils sont bien, là, oui. Ils vont s'activer ici, ils vont te laisser t'approcher. Pour l'instant, pour scorer un point supplémentaire pour ce tour. J'ai un début de n'importe quel tour. Vas-y. Parce que moi, je compte à la suite de Jimmy. Et on verra bien. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Je fais un shift. Alors, c'est un shift de 3, c'est l'ordre de... Ouais, il est là, c'est bon. Un chiffre de 3 pour l'instant, c'est l'ordre de Rob Stark que j'avais toujours pas utilisé. Bah moi, j'active Jamie. Je vais juste le retourner. C'est logique. Hop, le retourner et potentiellement avancer de pas beaucoup. Pour avoir la forêt. Pour avoir la forêt. Tenter d'avoir la forêt. Tu l'as pas forcément là, en effet. Là. Non mais c'est suffisant. Ok, très bien. Maintenant il me reste plus que Rob Stark en fait. Hein. Allez, viens là. Je t'attends. Plus que Rob Stark, et Rob Stark, ben... C'est soit tu viens chercher, soit je vais te chercher. Ok, je vais reculer pour te donner une charge un peu compliquée. Un peu. Pour te faire passer par la forêt. Parce que là, si je te charge, je vais prendre plus cher. Donc on va rester campé sur les objectifs. Là, je suis plutôt pas mal sur les objectifs, ça va te forcer à en prendre un minimum. Bah écoute, moi je vais faire une marche avec son oui, tu vas venir te mettre. Hop, sur l'objo. Juste au minimum. Bah en fait je suis au max, hein. Je n'ai pas le choix, avec la marche. 10 Ah 10, pardon. J'ai cru 8. Mais d'un autre côté, je vais me positionner comme ceci. D'accord, ok. On repousse le barrage. Vous le barrage juste là. Et ensuite, toi, il ne te reste plus rien à activer. Non, non, c'est à toi. Bah écoute, je vais activer mes archers. Enfin si, j'ai un début de tour en fait. Ah bah vas-y. J'ai le début de tour, mon shift de 3 sur la cavalerie. Stratégiquement, je vais pas prendre l'objet. Plutôt te forcer à bouger. Je vais faire mon shift de 3 en arrière. D'accord. Bah écoute... Je vais activer mes archers. Vu que je dois avancer de 4 pour être bien. Et normalement. Ou avec le shift, ça passera de toute façon. Ouais, ouais. Moi, je vais du coup scorer 2 et tu vas scorer 1. Ouais. Et je vais sûrement changer d'autres cartes. Et moi, ah, okay, je vais pas changer de carte. Non, moi, j'aurais juste à piocher. Bon, voilà, on passe au prochain round. Et round 5, donc là, je suis défaussé d'une carte et j'en ai repioché 3. Ouais, moi je garde mes 3 cartes et on est à un score de 8 à 4 actuellement. Ouais. 8 pour les Stark, 4 pour les Lannister. Après sur la table, c'est beaucoup trop serré. Bien, du coup je vais commencer par Tysel en attaque gratuite avec les archers. Tout à fait. Grâce au petit shift de 2. Tu vas pouvoir m'avoir... Je vais pouvoir t'avoir... Alors je vais prendre les deux shift. Tu auras la relance. Et j'aurai la relance 1, donc 7D4 plus relançable. Ça fait 4. Pour moi, ça fait 3, ça fait 4, ouais. Ça fait 6. Ah, ça fait beaucoup trop à mon goût. Après, tu n'as pas de vulnérable, il n'y a pas de tracassé, il n'y a rien de 6 à 4. 6 à 4. Ah, c'est avant. C'est tant pis. C'est bon, je suis mort. Tu es mort? Je crois que j'ai 2 PV là-bas. Hein. Oui, il y a 2 blessures. Et bah tu prends 1 point. Prendre son de ça sur la bourse pour ouais. Cibler ici, pour retirer le pot de vin. C'est vrai, c'est logique. À la place du token. Attends, j'ai un début de tour et demi. Vas-y, vas-y. Oui, ton positionnement. Mon repositionnement tactique. Là, tu veux absolument me faire passer par la forêt. Tout à fait. Tywin sur les chevaux. On va faire avancer les Stancro. Ouais. Alors 3, mais je crois qu'il faut un peu plus, je ne suis pas sûr. Non, 3 c'est bon. Pas trop le choix, je vais me garder une place sur le tableau pour l'instant. Activation dans le vide? Activation pas dans le vide, je vais rester sur l'objectif, mais reculer parce que je suis très juste.
L'objectif étant de te donner une charge compliquée. Ok. Ou impossible. Tyrion, sur les enveloppes. Bah écoute, je vais mettre un vulnérable. Vulnérable ici? Ouais. Ok. Rester comme ça. Hop. Ouais, Kathleen. Intrigué, faux semblant. Ouais, pas de soucis. Ok, très bien. Je te fais un test de panique à moins 1 ici. Ouais, juste une petite seconde. Avant, je reviens. Ok, ça me va. C'est un test à. 7, donc test à 8. Test à 7, vu que je suis à côté du barrel. Ouais. C'est réussi. Bon. Ouais, le test de morale, on a été solide sur les tests de morale sur cette partie. C'est vrai que, ouais, pour une fois. Activation d'Estanco. Pas besoin de shift ni de rien. Alors, je contrôle les enveloppes. Tu deviens vulnérable. Ouais. Je contrôle les épées, c'est relançable. Encore un cassé, tant mieux, il était loupé. Il y en a 3 pour l'instant. Alors ouais, je lance juste mon cassé avant. Ouais, ça fait 4. Et 3 relançables à 4. C'est des gros 50%. Hein. Ouais, ça change pas d'habitude. T'as pas fracassé, hein? Je n'ai pas fracassé, j'ai pas la bourse. Donc ça a fait du 4. Ouais, c'est suffisant. Ça fait une très belle sauvegarde, on bloque 4. Ça fait relançable. Et oui, évidemment. Ça fait 5. 5 ? Ça fait un rang. Hop. Un rang plus. Bah écoute, à 6, je vais faire un petit jeu rugis. Donc ça sera à 8. Plus un rang. Moins 1 de base grâce à la carte et moins 1 car il a perdu un rang en plus. 8 plus un mort, ça fait 7. Et 4 morts. C'est ça très pique. Très bien. Ça pique. Mais bon, je conserverai l'objectif ce tour-ci, c'est ce qui importe. Pour le moment. Activation du coup de robe. Alors, vas-tu me charger ? Ah non, il va juste se placer dans la forêt. Bouh. Ouais, vas-y. J'ai une carte à jouer. Un ennemi s'active. Ouais. Longue portée de Jamie. Je fais un test de panique, ouais. Alors, tu deviens paniqué et tu fais un test de panique. Ah, d'accord, non, c'est la carte de Jamie. Je crois oui. Que c'était une autre. Et sur un. Bon, normalement, si tu foires ton test de panique, tu deviens aussi affaibli, mais tu l'es déjà. Bon, je suis à 5 de morale. Sache que dans tous les cas, je ne te ferai pas relancer. J'ai un 4 et une blessure. Bah, c'est très bien, je garde la blessure. Bon, je vais d'abord faire. Je vais d'abord faire Jamie. Ouais. Au moins je serai sûr. Allez. Donc tu charges de Jamie. Quand tu charges, ouais. Je vais jouer position supérieure. Donc quand un ennemi charge, ton unité aura une charge désordonnée sur un jet de 3 ou moins. Si elle est désordonnée, tu prends un vulnérable. Contre complot. Ok. 3 plus. 3 plus contre complot. Contre comploté. Eh ben c'est bien. Du coup, c'est une charge quasi auto. Mais bon, pour le sport. C'est bon. Je vais me mettre à 50 quand même. Oui. Tu passes par la forêt et oui. Tu passes à 50. Donc je défends sur du 4. Oui, donc c'est parti. 6 des 4 plus. Ouais, par contre, t'as cruel. Oui, cruel. C'est un bon plus. Bah écoute, déjà 3. 3 plus 1. 6D, 4 plus, pas 4D. Oui, 6D. Hop, donc. Oh, déjà, j'ai fait mon premier lançable, pardon. On en a 2, on a pour 2 lancés. Toc, donc ça fait 1, et je fais mon dernier lançable. Ça fait 5. C'est stat haute, hein. Non, 5. C'est stat juste, c'est normal. 5 à 4, du coup. 5 à 4, oui. J'en bloque 2, je suis vulnérable. Tu en bloques 2. Donc actuellement, ça ferait ça. Ouais. Et ben, je te fais relancer quand même. Ça en fait de plus. C'est très bien. Donc le vulnérable saute. Le vulnérable saute. Et un petit un moral. Test de panique. Ah. Classique. Donc du coup pas classique. Enfin cruel, pardon. 4, donc 6 avec le cruel. 6 cruel. C'est réussi. C'est réussi et j'ai un 5, un 3 et un 2. Est-ce que tu utilises le paniqué qui permet de faire relancer le jet de morale? 6 cruel. Sachant que... Sachant que je vais y rester comme ça en fait. Ouais, je valide. Et du coup, c'est là que je suis content que tu aies utilisé ton dernier contre-complot. Après m'avoir tapé, je vais jouer retraite soudaine. Je vais effectuer une action de repli. Ouais. Si cette carte cible unité de Rob Stark, je peux relancer n'importe quelle distance de charge. Ce qui va me permettre de retraiter. Excusez-moi. Ce qui va me permettre de retraiter. Donc je pourrais aller jusqu'à 9, mais je vais juste rester sur l'objectif à 1 pouce de mon adversaire. Qui va me permettre de scorer le point. Activation de Clegane. Il te reste une activation de Clegane. Alors, juste pour voir.
Parce que si je charge, est-ce que ça charge à beaucoup? Bah, je crois que c'est charge à... C'est impossible. C'est charge impossible. Après, le round ça va s'arrêter, je vais explorer 10. Malheureusement. Donc ce sera la fin dans tous les cas. Bah écoute, hein, pas besoin voilà de la retraite de Robstar que celle de la victoire de... Ouais. De... Gagner sur une retraite, hein, c'est beau. Gagner sur une retraite, pour, du coup, ça se termine sur un score de 10 à 4 ou 5. À 6, du coup, parce que tu scores un point ici. Encore. Oui, c'est pas faux. Donc 10 à 6, 10 à 6. Victoire des Stars. Bon bah fin de partie, alors du coup une petite victoire assez serrée, ça se termine sur un 10 à 6, c'est 4 points d'écart mais sur la table ça s'est joué à pas grand chose, hein. Je pense qu'il me terminait une unité au dernier round, au round de 5 du coup il me terminait une unité, c'était pas sûr que je gagne du coup, on allait au round 6 et puis on était vraiment pas sûr de remporter côté Stark quoi. Hein. Bon bah malheureusement ça n'a pas manqué, hein. J'ai toujours foncé dans le tas encore une fois. Sinon, en soi, niveau scénario, c'est le scénario assez classique. Connaissant pas du tout les unités Lannister, je sais pas trop si je devais essayer de camper sur les positions ou d'essayer d'agresser comme je l'ai fait. Au début, j'avais peur parce que quand même, gros, je me suis fait éliminer Gregor très très vite, hein, deuxième round, si je dis pas de bêtises. Je pensais avoir perdu et en fin de compte, très gros retournement de situation. Malgré tout, je perds au scénario, comme d'habitude. Mais sinon, je suis très content de la partie. Globalement, ma mobilité m'a vraiment aidé. Ça m'a permis de prendre pas mal d'objectifs, etc. etc. Là où ça se gagne, on va pas se mentir, c'est sur la dernière action où mon camarade Lannister m'attaque une unité et avant, il balance son counterplot en avance, ce qui fait qu'il en a plus. Et du coup, j'ai pu faire une retraite et garder l'objectif, ce qui me donne le point de la victoire. En soi, grosse force, j'étais très surpris, franchement. Lannister, au début, je pensais que c'était un petit peu... ça se cassait les dents assez facilement, et en fin de compte, pas du tout. Grosse mention honorable aux archers Stormcrow, qui, au début, du moins en Targaryen, c'est vrai que je l'ai sous-estimé, mais bon... En tant que Lannister, surtout grâce aux cartes, on va pas se le cacher, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Pour ce qui est du cas de Gregor, je pense que j'ai totalement foiré. Après, le problème dans ce genre d'unité-là, avec un ordre qui est de taper avant de se faire charger, c'est soit tu l'envoies au combat, soit tu la fais poser dans un coin, et c'est tout. Sinon, grosse mention encore à Rob, qui, comme d'habitude, c'est le général lâche, comme on l'appelle. Et c'est comme ça qu'il a gagné la partie, d'ailleurs. En erreur de ma part, j'ai peut-être été un gourmand avec le loup. Le loup, il est parti... parti au combat face à Grégor, j'avais espoir que ça tienne. Ça n'a pas tenu, hein. il s'est fait ouvrir en deux, le petit loup. Après top, je dirais bien quand même ma cavalerie qui a fait un gros travail. Elle a quand même fait un gros travail, le mouvement et tout, ça a bien, je pense, bien gêné mon adversaire. Même si ses archers m'ont fait très très mal, je pense que c'était l'unité qui m'a fait le plus mal chez lui. Ça lui donnait un petit map control, c'était sympa. Du coup, j'aimerais remercier Obi-Figurine de nous avoir bien sûr permis de faire cette table. D'ailleurs, très belle table. Première fois que je jouais les décors 3D. À refaire. Et du coup, je vous dis à la prochaine, peut-être pour une autre partie de Trône de Fer. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc, merci de l'avoir regardée en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. À nous soutenir si vous le souhaitez sur le Tipeee. Type mensuel ou unique, c'est comme vous voulez. Merci à tous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.